Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit unboxing de ma toute première Woodbox. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Je viens tout juste de m'abonner, c'est donc une box spécialement créée pour les geeks, proposée par jeuxvideo.com. Donc on va découvrir un petit peu ensemble le contenu de cette box de janvier 2016. Donc on fête ensemble la nouvelle année et on commence avec bien évidemment un petit dépliant sur la Woodbox qui vous explique un peu tout le contenu de ce que vous trouverez à l'intérieur. On a un deuxième petit livret qui est en fait une bande dessinée qui vous explique les origines du Joker pour les fans à découvrir également. Ensuite, troisième petit cadeau, c'est un bonnet aux couleurs des vilains puisque c'est le thème de la Woodbox de ce mois-ci. Et dessus, j'ai accroché bien évidemment le petit badge de la Woodbox de janvier. Ensuite, donc, on a eu un t-shirt, donc je l'ai pris en modèle homme pour Yoda, donc j'avais envie de lui faire ce petit cadeau. Un t-shirt aux couleurs du vilain qui a été designé par Soul Ajam, qui reprend tous les vilains de ce mois-ci. Ensuite, vous retrouvez un petit magnète à frigo à l'effigie de la Reine des Airs, donc c'est une sorte de crossover chibi pour tous ceux qui connaissent. Et enfin, le plus bel item de cette Woodbox, c'est cette fameuse statue poupe, les petites figurines poupe en vinyle qui font fureur en ce moment. Et donc, cette figurine est aux couleurs de Marvel. Et personnellement, je suis une inconditionnelle des Marvel. Je suis vraiment très très fan. Donc, le fait de posséder une petite figurine à l'image de Deadpool, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, c'était mon petit unboxing de cette Woodbox de janvier. Ma première découverte. Bah écoutez, je suis plutôt contente. J'ai vraiment hâte de voir ce que les mois prochains ont à me réserver. Réservé comme surprise. Donc en attendant, je vous invite à réagir dans les commentaires si ce genre de petite vidéo montage vous a plu. N'hésitez pas à participer, à me partager votre avis. Je vous fais d'énormes bisous et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous. Ciao tout le monde !